Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve pour une nouvelle review, c'est du Funko, c'est du Disney, on est parti pour la review. Donc review un petit peu particulière, donc ce sont des figurines que Funko propose depuis quelques temps. Ce sont les Disney Afternoon, donc les petites séries que l'on avait l'après-midi ou la soirée en fonction de la période de diffusion. Des figurines qui sont magnifiques. Vous aviez aimé la Tom et Jerry que je vous avais proposé, donc je me suis dit pourquoi pas proposer celle-ci à la review. Et je remercie donc mon partenaire de m'avoir procuré ces figurines pour vous les faire découvrir en détail. Les figurines représentent quoi ? Représentent les petits personnages de Disney que l'on a en série animée. On a Tic et Tac, on a Mister Mask, on a Baloo dans Tailspin et l'oncle Picsou dans la bande à Picsou. Elles sont super jolies, elles sont un petit peu articulées, on va regarder ça ensemble un petit peu au niveau des détails. On va les déballer, voir un petit peu le paint, si c'est propre, pas propre. C'est destiné surtout à des enfants, mais bon, vous savez, hein, vous comme moi, nous sommes tous des grands enfants. Et j'avais apprécié énormément la Tom et Jerry, et je trouve que cette petite figurine-là représente un petit peu le même style de figurine en question. Donc franchement, je pense que ça vaut la peine de les découvrir ensemble. Au niveau des packaging, eh bien, elles sont sous vitrine. Elles sont malheureusement pas ouvrables facilement sans abîmer le carton, c'est juste un petit peu dommage qu'on n'ait pas un endroit derrière à découper proprement, à lever pour pouvoir les enlever. Il faut déchirer donc le papier sur le côté pour pouvoir sortir les figurines. Ça, c'est juste le truc un petit peu dommage pour ceux qui veulent utiliser la figurine et garder le blister. Donc le blister est scellé dedans. Ça, c'est le petit truc un petit peu dommage. Au niveau du packaging, on a l'oncle Picsou avec sa canne et un sac avec des dollars. Le dessus en anglais et sur l'arrière, bah, le petit chariot habituel, hein, vous savez, dans de l'introduction de la bande à Picsou, Disney DuckTales, les écritures en français, interdit au moins de 8 ans parce qu'il y a des petites pièces qui peuvent être avalées, c'est de la marque Funko. 8 ans et plus et interdit, voilà, 8 ans et plus pour conseiller et interdit aux 0 à 3 ans. Donc ça, c'est le packaging de la version Picsou. On a la même chose sur la version Baloo, avec l'arrière. Baloo qui pilote d'avion dans cette série en question. Darkwing, donc Mystery Mask, très joli également. Avec Flagada Jones, fait toujours bien marrer aussi, lui, un peu débile, mais toujours marrant. Alors Tic et Tac, si je dis pas de bêtises, on a Tac et Tic, ça doit être l'autre, ou je me trompe peut-être. Chip and Dale's. Tac pour celui-là, Tic pour l'autre, on va y arriver. Voilà, donc Dale, Tic et Tac, donc Dale et Tac, avec la petite mouche. Zipper qui est trop marrant, donc Tic et Tac à l'arrière, super packaging aussi, et puis bah, Tic en version un petit peu Indiana Jones, hein, il ressemble un petit peu à Indiana Jones avec son petit chapeau, sa petite veste. C'est ce que les personnages de Disney voulaient représenter à l'époque, c'était les héros de notre enfance, et donc c'était Indiana Jones avec l'arrière qui revient le même que celui de Tac. Allez, on déballe tout ça et on regarde. Voilà, les petits personnages installés et déballés. On va découvrir ensemble un petit peu à quoi ça ressemble de près, les articulations, etc. Donc vous voyez qu'au niveau du paint et au niveau de la réalisation, ce sont de très très jolies petites figurines. Les bras sont articulés, donc on peut lever les bras, hein, sans problème. Et également au niveau du coude, on peut plier aussi les bras. Donc au niveau du coude aussi, au niveau des articulations. Les jambes, eh bien on peut les bouger si on veut l'asseoir. Donc on peut les bouger également si on veut les mettre en position assise. Mais les bras sont plutôt bien articulés. La tête tourne aussi à 360 degrés, donc on peut donner des petites poses sympathiques aux petits personnages. Mais je vous dis, au niveau du paint, c'est plutôt propre, le torse également tourne sur lui-même, donc on a quelque chose qui est plutôt propre, regardez au niveau du paint, c'est joli. C'est pas très très cher, hein. Ça vaut entre 10 et 15 euros pour peut-être les plus chers en question, mais c'est pas des figurines qui sont très très chères, et pour la qualité et pour les articulations, c'est plutôt plaisant, c'est plutôt joli, et je vous dis, ça fera plaisir certainement aux enfants et aux grands-enfants également. Regardez donc le Picsou, comment il est bien fait, avec ses lunettes sur les yeux, on peut mettre le petit sac dans la main, la canne. On a vraiment, vraiment une jolie, jolie figurine. Le chapeau n'est pas amovible, mais même chose, la tête tourne, le torse tourne également. Donc ça va être chaque fois les bras, les mains, le torse. Mais vraiment un paint qui est vraiment des plus propres au niveau des petites figurines en question. Je vous fais découvrir Tic. Très propre également. Très joli, avec son petit chapeau d'Indiana Jones. Elles sont vraiment chouettes, ces petites figurines. Je trouve que c'est quelque chose qui est plaisant.
Je vous mets de toute façon dans la description, je vous mets dans la description le lien pour les acheter sur Amazon directement. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez directement les acheter. Elles sont en stock et disponibles, donc vous pouvez vous faire plaisir. Dans la description, vous aurez le lien de toutes les figurines. Vous cliquez dessus et elles sont à vous. Mystery Mask, enfin Mister Mask, il est super joli aussi avec une cape qui est amovible un petit peu vers l'arrière. Donc, très joli également. Et un paint aussi super bien géré. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Et puis, on a notre ami Tac avec Zipper, enfin Zip, qui est tout aussi joli également. La petite mouche avec ses ailes. Celle-ci, par contre, n'est pas articulée. La tête ne bouge pas, c'est vraiment un seul bloc. Donc, ça, on n'articulera pas. Et puis, Tac. Peut-être un petit peu en dessous au niveau du paint. Vous voyez, les yeux et autres, c'est peut-être celui qui est peut-être le moins bien peint au niveau du visage, parce que les autres sont vraiment, vraiment très, très beaux. Sa petite chemise hawaïenne, la chemise hawaïenne, même chose, hein, ça fait penser un petit peu à Magnum. C'était Magnum à l'époque, donc on a Magnum, Indiana Jones qui est représenté. Flagada Jones, ben, c'était aussi un petit peu Indiana Jones. Donc on a même chose articulée au niveau des bras, on peut lever le bras, donc on a des articulations qui sont pas mal. Donc c'est vrai que ces personnages représentaient les personnages de séries et de films de notre enfance. C'est vraiment la chemise de Magnum. Chemise à fleurs en question, donc quelque chose de très très joli. Je vous fais un petit visuel, 360 degrés de chaque petit personnage. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, conclusion de cette petite édition donc Funko Disney Afternoon. Eh bien écoutez, une belle petite collection, hein, ça vaut la peine, c'est joli, ça vaut pas très cher, ça vaut une dizaine d'euros dans une petite vitrine ou autre. C'est les petits personnages de notre enfance, c'est les petits persos Disney. Eh bien c'est quelque chose de très agréable. C'est pas du Hot Toys, c'est pas du Sideshow, c'est rien de tout ça, mais il faut savoir se diversifier de temps en temps. Il en faut pour tout le monde et ces petites figurines PVC plaisent à pas mal de monde. Donc je voulais vous les faire découvrir. On les trouve donc sur Amazon et d'autres. Ne cherchez pas plus loin que dans la description. Je vous mets les liens de chaque personnage. Vous cliquez, vous achetez, elles sont à vous. Vous êtes livré en 24 heures avec Amazon, donc c'est magnifique. Donc n'hésitez pas à vous faire plaisir sur ces petits personnages en question. C'est tout. On se retrouve de toute façon pour une prochaine vidéo bientôt. À bientôt les amis.